Salut à tous, je vous présente aujourd'hui un lot de 3 gourdes pliables. On les reçoit emballées individuellement dans des sachets plastiques. On a donc une noire, une blanche, une bleue. Là pour la vidéo, vous voyez comment se présente une gourde lorsqu'elle est remplie. Au niveau des caractéristiques, il est rappelé en bas de la gourde BPA free, donc sans BPA, et une contenance maximale de 70 cl. Au niveau du bec, deux caractéristiques. On a ici un mousqueton qui va permettre de fixer la gourde sur un sac, donc ça c'est plutôt pratique et on peut le replier après utilisation pour que ça prenne plus de place. Et pour pouvoir remplir la gourde, en fait on va dévisser la tête comme ceci, remplir par l'emplacement prévu à cet effet, et après on va refermer. Au niveau du bec verseur, donc je vais vous montrer ça sur l'autre gourde, il faut soulever. Hop. Alors, pas évident avec une main. Voilà. Et voilà comment ça se présente. Et ce qui fait l'étanchéité, c'est cette membrane en caoutchouc semi-rigide qui va permettre de garder la gourde étanche. Alors, étanche, c'est un bien grand mot parce qu'en fait, il peut y avoir deux origines aux fuites accidentelles. La première, c'est si on oublie de refermer correctement le capuchon. Donc si on, par exemple, on le laisse à demi enfoncé, donc là il faut bien appuyer bien fort ici. Et l'autre risque, c'est si on ne serre pas à fond le bec, parce qu'on peut avoir des fuites qui se créent à ce niveau là donc il faut, par exemple, je vais vous montrer juste si je peux faire un petit tour. Voilà, est-ce que là ça va fuir? Voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc, à mon sens, avoir ça dans un sac pendant une activité sportive, c'est pas forcément le bon plan parce qu'on risque de se retrouver avec des fuites, ou même dans une poche, encore pire, on peut tremper le vêtement. Moi, je vois ça plutôt comme une gourde de secours qu'on va mettre dans un sac qui va rester posé par terre ou bien dans la voiture. Et qui va servir d'appoint pour boire lorsque la gourde principale est vide, parce que pour moi c'est pas suffisamment bien pensé en termes d'étanchéité pour nous accompagner quand on fait par exemple de la course à pied, ou moi dans mon cas de figure c'est pour faire du snowboard. Je vais pas m'amuser à mettre ça dans la poche de mon manteau parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des vêtements trempés. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé et puis je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bye.